Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou Ça va super bien et toi Ça va très très bien, on se retrouve pour du petit gameplay soldat. Oh mais ça a déjà été fait sur la chaîne Et eh oui, mais c'était pas exactement cette version. Et surtout, ça vaut le coup de vous le représenter, parce qu'en ce moment, qu'est-ce que ça fait en standard Ça casse la gueule. C'est dans bah, tous ouais. les tops de tournois. Ça roste le ladder BO1, ça roste le ladder BO3. C'est pas mal, c'est peut-être pas le meilleur deck non plus, mais c'est un des decks top tiers. Ça, ouais, ça casse bien la gueule quand même. C'est extrêmement joué, c'est le deck que l'on voit le plus souvent revenir dans les top 8 de tournoi, il a même pris la place en termes de, de nombre d'exemplaires joués de Greek 6 Control, donc on avait à cœur de vous le représenter dans sa version la plus compétitive, avec le meilleur side et dans sa version définitive, là où le premier deck soldat qu'on vous avait présenté, c'était à la sortie de l'extension, c'était notre popote, on n'était pas très loin de ça, cela dit, mmh. mais, euh, mais voilà, là vous avez la version définitive pour tous les... Les amoureux de soldats, si vous voulez jouer un bon deck, vous allez jouer celui-là. C'est le deck qui a gagné l'open Pizza Box standard sur 134 joueurs à la déclisse de Love Janse. Voilà. Donc quand même solide. Avant d'en parler de la déclisse du coup, enfin euh, d'en reparler pour le coup, n'hésitez pas à nous soutenir via nos sponsors, Plain by Magic Bazaar, Convalle P.L. 2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et c'est un soutien. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui mettent le petit pouce bleu, qui s'abonnent à la chaîne. Bientôt 30 000. Let's go On finit, euh, on commence 2023. On atteint les 30 000. On n'a pas encore fini 2023. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Ouais. Merci à vous aussi. Tous et on, soutient, euh, pardon, on remercie aussi ceux qui nous soutiennent donc euh, Voct qui est une application d'enchères en live vous avez un code parrainage ValPL au moment où vous créez votre application et donc dès que vous effectuez un achat et vous allez voir c'est facile d'effectuer un achat sur Voct parce qu'il y a simple. plein de trucs très très sympas. et eh bien ça nous soutient donc voilà merci à tous n'hésitez pas aussi à follow notre profil vendeur comme ça vous êtes au courant de quand est-ce qu'on lance un live sur Voct généralement c'est un mardi sur deux à 19h Voilà c'est toujours à tous. pour la Croix-Rouge oui, je... tous nos lives toujours euh, ce, euh, cette decklist bah, C'est une decklist agro Azorius Qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'historiquement Azorius c'est pas forcément les couleurs qui agressent le plus En général non, non, ça non. fait plutôt tout l'inverse D'ailleurs ça empêche euh, Qu'est-ce qu'on a On a des tourains avec le frontalier Yotien qui se rejoue au cimetière Qui buff les autres, c'est très bien On a la recruteuse militaire, bon soldat Qui permet d'aller chercher les autres puisque toutes nos créatures Peuvent se trouver sur la recruteuse Avec son effet à 4 mana, donc fort Ensuite, on a les tours 2, les renforts résolus bah, qui marchent bien, hein, ça met du board, donc ça marche très bien avec l'officier de frappe ciel pour piocher des cartes, ou bien avec le vétéran pour faire 2-2-2 pour 2, donc très costaud. Talia qui disrupte très bien euh, les spells adverses qui nécessitent un anti-bet sur elle avant de pouvoir euh, utiliser des anti sur les autres, en tout cas la plupart du temps. Vétéran vaillant, c'est notre lord qui peut s'exiler se, euh, du cimetière pour buffer tout notre board. Denik, bon soldat qui fait un peu de hate, un peu de lifelink et un peu de fly, tout ce qu'on aime. Arbin 3-2 vol pour 2 qui permet d'avoir l'étal dès qu'on a 5 soldats, costaud, enfin dès qu'on attaque avec 5 soldats. Vétéran de siège qui fait un marqueur tous les tours et qui transforme nos soldats morts au combat en euh, soldats mécaniques. Finalement, toute une histoire racontée par cette vétérane de siège. Alors, c'est les autres, c'est pas lui-même. Et officier frappe-ciel qui est 2-3 vols qui permet de créer des jetons à euh, un soldat également comme la vétérane, mais cette fois-ci à chaque fois qu'il attaque. Et on peut engager 3 soldats dégagés qu'on contrôle pour pucher une carte. Donc, c'est. Tip top, ça marche très très bien, du coup, comme on disait, ouais. grand fort résolu, ou les générations de tokens qu'on fait. C'est un deck ça. qui est bien designé parce qu'il essaye de passer en dessous des decks du format, c'est-à-dire de mettre fin rapidement à la partie sans aller au late game. Et pour ça, il a plein d'outils de disruption. Alors, déjà, il met des patates énormes, ce qui permet de mettre fin euh, aux parties assez rapidement. Je pense aux synergies entre renfort résolu et vétéran vaillant qui met beaucoup de board. Le Harbin qui, cite à 3-4 créatures sur le board, commence à faire des bêtises. Euh, mais en même temps, pour se prémunir des réponses de l'adversaire, on a Talia. Euh, et là où tous les decks midrange ont très peu de créatures, Talia leur fait extrêmement mal. Et en plus de ça, pour protéger les Vras. Eh ben, ou des anti à sortir sortir par derrière et euh, ton habit drop 3, le vétéran de siège, ce qui fait qu'en fait t'as un deck complet qui veut agresser, mettre fin à la partie rapidement et qui en même temps est capable de retarder et disrupter euh, les cartes de l'adversaire. Et c'est pour ça que Soldat est un très bon deck, on l'avait senti à la sortie de Brothers War, il a mis du temps quand même à, à truster les top 8, mais là ça y est, il est, il est dans sa version définitive. Quoi. Ouais, c'est ça, pour ça qu'on fait un petit update sur la decklist. Outre euh, la version améliorée, surtout le side qui est euh, quand même différent, euh, bah, on vous met au courant, ceux qui ne savent pas. Soldats, ça marche très bien. quoi. Les landes ouais. aussi, on n'a pas parlé, mais tête de pont fortifié, tête de pomme fortifiée, ça permet de buffer tous nos soldats. Euh, ah ben dans le sud, on le dit euh, fréquemment ça. Et euh, fonderie qui permet de beat down, en plus d'avoir Otawa et Gonjo. Donc dans nos landes, on a aussi des queues à faire avec notre, euh, notre deck, ça c'est cool. En side, on a un petit perce-sort, ça c'est parce qu'on est coquin. 3, protéger les négociateurs pour l'exclamation. Donc c'est un contre pour deux qui peut se kicker pour faire un soldat. Et euh, qui contre, à, qu à moins que l'adversaire paye 1 pour chaque créature qu'on contrôle. Généralement dans ce deck, c'est pour 2 manas contre un sort. Voilà, c'est très, très rare qu'il puisse payer. Laurent de la troisième voie qui va gérer Artefact Enchantement, qui n'est pas soldat, mais bon, ça fait euh, une créature qui fait un effet de sort, donc c'est ce qu'on veut dans les decks agro. Et aussi, on peut faire piocher l'adversaire et nous-mêmes euh, en l'engageant. Tout en attaquant puisqu'on a la vigilance. Et ça peut être pas mal même de faire piocher l'adversaire, puisque euh, nous, on ne va pas aller en late game. Le late game, c'est pas pour nous. Du coup, si ouais. on a besoin juste d'avoir un petit peu plus de gaz que l'adversaire euh, sur le board pour le dépasser, eh ben on peut essayer d'utiliser sa capacité. C'est pas pour ça qu'elle est là, mais euh, ne vous dites pas je l'utiliserai jamais, ça peut très bien non, arriver. Ça peut avoir un intérêt. Surtout quand vous faites fin de tour adverse. L'adversaire en fait va pas profiter tout de suite de sa carte alors que vous oui, vous oui, 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 pardon, <laughs> arrivais pas. Donc ça <laughs> peut être vous euh, dit, euh, ça peut être vraiment intéressant. 4 catars brutales, bam, soldat, soldats exile une bête, ça libère la voie, on bourre, on est très content. Attention, ce n'est plus soldat quand c'est transformé. Donc ça perd les buffs du board. J'aime bien qu'ils soit pas main deck et que ce soit une des évolutions mmh. du deck de les passer en side vu que le format est très contrôle, mid-range, ouais. on met tous les autres drop 3 qui permettent de bourrer et le catar brutal on le remettra dans les miroirs par exemple. C'est ça. Je trouve ça plutôt malin. Et les quatre dernières cartes, les quatre spécialistes en extraction, pareil, comme tu disais, beaucoup d'interactions en face. Et bien spécialiste, ça réanime une bête. Et du coup, bah, quand on gère la spécialiste, euh, on récupère la bête. Enfin, on peut s'en resservir, parce que sinon elle peut ni attaquer ni bloquer. Mais euh, le plupart du temps, ce qu'on veut récupérer avec cet humain et gredin, c'est vétéran vaillant. Du coup, qu'il attaque pas, on s'en bat les couilles. Euh, on veut juste qu'il s'asse au champ de bataille. Talia, pareil. Et Arbin, et fait aussi, quand même ouais. sa capacité aussi. Donc, en fait, as beaucoup de drop 2 à réanimer. Oui, bon, bon, après, Arbin, quand tu le réanimes avec ça, généralement, t'étais déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça oui, marche oui. aussi. T'as raison. Ça marche aussi. Donc, euh, c'est plutôt sympa, mmh. cette spécialiste en les Pareil, renfroise de hein, Ça fait le token qui, lui, peut attaquer. C'est ça. Très très, bien. Donc, euh, très, très, très très, bon ajout. Alors voilà, vous avez vu que du coup, les decklist soldats ont été pas mal tunés, en mmh. fait. Et, euh, et c'est plutôt cool de, de découvrir ça tous ensemble. Allez, on part sur le ladder, on va euh, graille un ou deux opos si ça t'embête pas. Ça ne me dérange jamais de graille. D'ailleurs, j'ai très faim. Bon, c'est... en match... je euh, ne savais pas.. De... Mais il est actuellement 14h12. Nous tournons depuis à peu près 11h30 et nous n'avons toujours pas mangé. Il se peut... Il se peut, se peut que il cette vidéo peut. soit une roue libre. C'est... Oui. En fait, là, euh, on va être dans un état de... Fatigue euh, slash euh, affamé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer Ça peut pomper la toute folie. notre énergie, mais heureusement, la on est folie. deux, on se maintient quand même à flot. Ou alors, la folie s'empare de nous, littéralement. Ah, ça va dépendre ça. de la première game, je pense. Vraiment, ça va décider la, la tournure. Plus j'ai faim et plus mon ventre est vide, plus euh, c'est comme si j'avais bu euh, de l'alcool. Tu vois ce que je veux dire Eh oui. Et oui, c'est même effet. Même effet. Ces genre, équipes. je commence à bafouiller. Euh... Je, je dégueule. Non, pas ça, non. <laughs> Je vomis littéralement. Rien, parce que j'ai rien à vomir. Bon appétit. Non mais voilà, vous le savez, d'ores et déjà, cette vidéo est un classique. Voilà, N'hésitez pas à la partager partout. Alors... Ouais, je peux faire ça. Il va pas savoir ce que je fais encore. Vas-y, vas-y. Je ouais, peux Si tu lui dis soldat, il va peut-être savoir. Voilà. Quoi. Après, tu peux dire caméléon si tu veux vraiment te camoufler. Ouais. De toute façon, tu casses toute ta main. Oh T'as fait exprès pour la vanne ou pas je peux dire caméléon oh. si je veux vraiment me camoufler. Putain, non, j'ai pas fait exprès. Mais fais dire oui. Mais gros, je, bah, te te <laughs> je te dis, hein, moi quand j'ai pas mangé. Oh, les fulgurances. Hein. Oh, c'est une petite Thalia, ah, on en a deux. Vas-y, vas-y. Let's go. Puis, vu ce qu'il joue en face, ça va lui faire les pieds aussi. Il a pas de contre à deux déjà, sinon il aurait ouais. bien contré fort. Eh bah, ben, tu sais quoi, il a pas de fable à trois surtout. Et ça, ça fait plaisir. Oh, punide. Eh, et ouais, là, il fait son 3-3 qui fait rien. Il prend deux pèves. Moi, je vais mettre un marqueur sur Thalia, je vais attaquer. Exactement. Zou. Et je dis. M hop Caméléon. Caméléon. Eh non. Euh, ouais ça c'est le meilleur. Hein. Ouais. Et on a pioché un tour 1, donc on aurait pu faire Lord des Tour 1 aussi. Lord Tour 1, ouais, on va le faire le tour d'après hein, cela dit. Oula Attention Mino. Ouh. Si Ah il là, en a es un deuxième. T'es un, peu... un peu vaillant mon petit, euh, mon petit bonhomme. Il en a un deuxième je pense et du coup il veut euh, caster le deuxième pour euh, piocher ça. Enfin piocher ouais. avec lui. Bah, S'il fait pas ça, ça n'a pas trop de sens mais euh, mais why not. Ok, on va faire un petit oui, token soldat. La Vras qui passe sur seulement deux bêtes et qui lui prend son tour 4, on est très content. Par contre, il a des Vras deck donc lui est tout courant euh, que soldat ah oui. est, est assez virulent. Euh... Euh. Je remettrai ça avec un point et je ferai renfort résolu fin de tour pour refaire ça le tour d'après. Ouais, j'aurais fait ça aussi. Euh, T'es sûr de ne pas te prendre une Vogue d'Esper le tour d'après grâce à cette Talia Talia ouais. qui fait beaucoup, beaucoup de, de mal euh, ouais. au deck euh, au deck midrange. Bah dès qu'ils veulent curver des sorts, euh, puni. C'est très chiant. Genre ça, hein, genre, genre, ça tour 4, c'est. Autant Fab du Brise Miroir à 3 mana, c'est un énorme banger. Autant à 4 mana, c'est un peu Médiocritas, quoi. Mm. Donc, euh, bah ouais. Là, c'est Médiocritas, typiquement. Ouais, c'est un peu Médiocritas, ouais. Hop, le VT en vaillant. Eh ben, c'est parti. Hein. Putain, j'ai cru entendre ton ventre euh, faire un bruit. Ah, tu l'as entendu? Ah c'est lui. Ah, C'était ton ventre. Ah ouais c'est mon ventre qui a fait le. Et gros, tu te digères gros. <laughs> je suis plus petit qu'au début de la vidéo. Tu vas finir comme tu sais dans les trucs que t'aimes bien de Junji Ito une spirale au niveau du ventre tu vois. Ah oui je me je disparais. Il est où On l'a plus gars, jamais revu. Il avait faim. Ton ventre a essayé de parler avec moi. Il en fait je suis, je suis ventriloque mais je contrôle pas. Est-ce que non, je fais non, ça ou donne, pas Non non on n'en donne pas plus. Ou ça, pas. ça 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 s'exhume. Ouais, vas-y, celui que c'est. Oh, allez, c'est cadeau. Ah oui, oui, faut... sauve-le. Hein. Il ne va pas bien. Hein. Ah oui, ça ne va pas Ah mais clairement. Je... Là. Et je vais en... là, je, je sens qu'il y en a un autre qui est en préparation. Hein. Donc, vous allez avoir droit à un petit un Action, je... baleine. Je... je parle le ventre. Ah, J'ai cru que c'était Payakan dans Avatar 2 qui parlait avec moi. là. me <laughs> dit, putain, je vais peut-être me lier avec ton ventre. On Écoute, sait ce serait le début d'une belle histoire. <laughs> putain. Il a hurlé le truc. Bon, c'est moins stylé que dans Avatar. Hein. Il fait pas des danses, euh, etc. Non, moins cool, moins cool. Ah. quoique, on pourrait, on eh. pourrait l'aider. Hein. Est-ce qu'il fait ça pour faire la brasse derrière Ah non, il fait ça. Ouh, il est pas bien là, Coco. Parce que là, il en bloque une, il est mort. Il est pas frais le type. Hein. Si je compte bien, Valentin. Ouais, bah, tu comptes bien, je crois. Ouais, Valin, facile, hein. très facile, me semblait. Et c'est vrai que la brasse deck, je me suis dit ah, parce qu'il y en a une deuxième, on n'est pas content. Donc contre lui, ça c'est fort. Je crois que tu veux les spécialistes et c'est tout. Je crois qu'il n'est euh... pas assez contre pour que tu rentres les contres. Bah il a quand même ça euh, main deck. Hein, donc, euh... Ah tu peux mettre un spell pierce, mais George j'y crois pas trop au contrat de mana. Quoi. Ouais, non, celui-là, non, mais le spell pierce, je pense, euh, ça ouais. se fait. Sortir par derrière, ça sera très très bien, donc on va le laisser. Ouais. Je crois que c'est ton drop 3, tu veux pas l'officier en fait. L'officier, il t'aide pas ici, quoi. C'est dommage, tout seul, en fait, il reprend le board, il fait draw. En fait. C'est bien contre après Vras, quoi, ouais. quoi. Ça te demande d'avoir du board pour faire quelque chose, c'est ça qui me pose problème moi. Ouais mais il fait du board. Il fait du board tout ouais. seul. Tu peux en cuter deux. que Cute deux et on avance. Je suis en on cut peut deux. un peu de, peu de Dénic peut-être. Dénick, ça marche bien contre lui. Ça marche contre Corpse Praiser Ouais. Bah on enlève, enlève le soldat. Yo Yotien alors. Il est où Le frontalier le, le frontalier, pardon, ouais, le, le stormtrooper là. Okay. On, ça, hein. on peut enlever un peu de tour, hein, c'est vrai. Vu qu'il joue aussi des créatures, ton 1 il a pas trop de valeur quoi. Mmh. J'ai toujours du mal à sider dans aggro euh, parce que. Si tu de trop, tu dénature. Style, voilà. Et voilà. Ouais. Donc t'es pas content. Oui, oh, je vais faire ça toi, hein on va être content. Ouais, voilà, pas mal, hein. je kiffe alors qu'on a 4 landes. On en a quand même non, peu, mais je bien. pense que. J'aime bien parce que t'as un drop 2 et surtout tu peux te prémunir de fable ou d'un ou anti bête de masse donc euh, en vrai. Il... Euh, Est-ce que tu acceptes de prendre Fable ici Je pense que oui. Hein. Ouais, je crois. Si je fais ça et qu'il a rien, je vais bien beat down. Donc, euh... ouais, okay. Ou alors je, je passe, sachant qu'il va sûrement rien faire tour 2. Tour 3, j'espère qu'il ne fasse pas une créature pour le contrer. Ouais, c'est dangereux quand même. Alors, ouais, mais là, plutôt... tu vas juste lui donner, un anti... enfin, lui donner dans un anti-bet. Ça qui me fait chier, moi. Je donne des nicks, ce qui nous donne un je tour 4. Tu... tu donnes des nicks, ouais. ouais. Genre, ça tourne un chouïa mieux autour de. De droit à la gorge, ou de en plus lui il va avoir des, comment ça s'appelle, c'est exterminé non pas du tout, cut down, ouais c'est ça down, Ouais il ouais, va avoir plein de après ça, ouais, Il a, a rentré, euh... il a rentré plus d'interactions du coup comme prévu ouais. Ah il fait un tour 3, ça c'est con, c'est bien et On met spécialiste à... Sinon, Ah putain tu peux pas, Arbin, Arbin je peux pas et... perdre ce sort ouais. Spécialiste ah, c'est pas absolument. mal hein euh... s'il si contre ça pas ça met des... deux body Ouais vas-y Je suis d'accord qu'on n'est pas un soldat à deux mana euh, mais blanc tu vois Histoire ouais. de garder le pierce up. Il a pas de contre, donc déjà, euh, déjà on est content. Il a dû en sortir pas mal, hein, euh, des contres, contre nous. C'est probable qu'il n'en ait pas du ouais. tout. même. En commençant, peut-être qu'il en a encore une petite quantité, même pas. Disons que s'il a beaucoup à rentrer, c'est par là qu'il va. C'est là-dedans qu'il va cutter, quoi. Ouais, il a regéré des nicks. Ok, c'est un peu naze d'avoir regéré des nicks. Ok. En vrai, on est assez. Bien pour comment pour pouvoir l'ignorer cette carte là. Moi je jouerais vétéran, ouais. je mettrais un marqueur, je passerai. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Et s'il a une invoque d'espère, tu l'attrapes avec perso ce sort. C'est ok. Ouais, on peut attaquer à partir du tour prochain. Parce que le trade, on le prend très très fort. Ça nous va. Ouais. Là, là si je peux attraper une invoque d'espère, je suis euh, roi du bar. C'est ça qui est cool, c'est que. Oui, ce... Oh putain, on s'en fout. Oh la vache, on s'en fout. Non, mais je sais pas pourquoi il attaque avec. Faut... Ah, parce qu'il sait qu'il va pas bloquer. Ouais, non, en fait, ça s'entend. Euh, je trouve que c'est un Sholdred, ça match pas très bien ce que fait Soldat. Donc, euh, t'as aussi un deck du coup qui s'en fout un peu. quoi. plutôt bien. Ah, par contre, s'il pouvait tuer ça, fallait pas qu'il attaque avec Sholdred, ça a pas de sens. Ouais, il voulait nous attraper sur un double bloc, peut-être. Ok. Euh, je peux en mettre une. Hein. Je mets un marqueur, je gagne 5 PV. Ouais, il nous a pris pour des lapins de 6 semaines, quoi. C'est pas vieux ça. Tu penses pour un lapin ah, Pour pas un lapin, j'allais dire peut-être c'est un peu vieux. Mais ah, du coup, si c'est ou... vieux pour ouais. un lapin, on dit pas Et le pire ce ça. Ça c'est non, s'il te plaît. Et ouais. Je fais mon petit peve avec plaisir. Hop, hop. Et le ce Et je crois qu'il fait plus du tout la course avec sa shoulder. Hein. Très mal en tout cas. Alors là, faut il faut qu'il ait mana noir, invoke d'espère. Oh, Quand t'as dit mana noir et qu'il a posé Marie, ah, j'étais oui. très content. J'ai eu peur, putain. Et il continue à attaquer. Hein. Il sait qu'il a pas trop de choix, mais. Oh. Je vais mettre un marqueur là-dessus pour attaquer avec les deux, je pense. Ouais, je suis chaud aussi. Soldat. Et en vrai, Arbin spécialiste, tu réanimes des nicks, Et là, c'est vrai Sordaï pour l'oppo, quasiment. Quasi, ouais. Arbin est pas efficace encore. Non. Pour le moment. Spé spécialiste, mais... c'est vénère hein, contre lui. Hein. Ouais. Ah, bah c'est 2 pour 1. S'il a pas de contre, et là, il dit Putain, les contres, c'est bien quand même. Euh, Arbin Tintin. Ouais, j'avoue avoir pas mal rencontré de soldat récemment et je me suis assez, f... je me suis assez fait bourrer, ouais. Genre j'étais pas du tout prêt, quoi. Et je jouais, tu sais, sky Splash Noir, enfin c'est un peu comme Grixis, quoi, mm. dans, le... dans la théorie du match-up. Et... Ouais, ouais, je fait je vais, bien, bien défoncé, quoi. Pas trop de phase d'attaque ouais. là, monsieur. Hein. Là, ce qu'il fait, on s'en fout. Euh, J'ai que trois soldats. Ouais. Ta ah, tête de pont fortifiée qui te permet d'avoir une phase d'attaque un peu méchante. Ouais. Après, est-ce que ça vaut le coup quand même Je sais pas. Je peux rêver. Moi, vous nous contrôler un soldat. Donc, je refuse. Je contrôle un soldat. Je mets un marqueur sur quoi Je sais pas. Euh, tu peux pas attaquer avec arbin, c'est ça le problème. Tu peux attaquer qu'avec spécialiste, donc avec sur spécialiste. Bah si je mets un marqueur, enfin si je mets plus un plus un, je peux attaquer euh... avec deux spécialistes. Deux spécialistes, ouais. Donc mets un marqueur sur spécialiste, attaque avec les deux, et si jamais il fait rien, on jouera un dénik pour combat. Pas enfin, si tu te demandes pas de. Ah tu peux attaquer avec arbin? Oui, je peux pas attaquer avec Denic. Je peux attaquer avec arbin. Ah d'accord, ok. Putain, Alors, en, fait, clair, en fait, arbin ne fait pas son effet parce que c'est pas des soldats ça. ça que je oui dire. oui, ok. Moi dans ma tête c'est lui qui avait été ranimé avec spécialiste, mais pas du tout. En fait t'es trop bien ici. Hmm. Ah mais non mais je suis con, ça ne buff pas, c'est pas le board, c'est les c'est soldats. Donc en fait ça ah, il pouvait le bloquer. Il va peut-être pas le voir. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Ah, parfait. Et oui. Bon, bah, je suis con. En plus je te le dis, au fait c'est pas des soldats. Hein. Ah oui mais c'est pas des soldats. J'ai pas... Ah hey, mais tu vois moi j'ai même pas tilté quand tu m'as dit... Ah tu joues pas d'énique Ouais tu euh, vois, ça le devra. tue. Euh... Ah putain mais oui on a déjà un Dénic et t'as pas envie d'avoir un dénique au cimetière, ok. Bah je pouvais faire euh... Et, et chasse l'autre, au mais bon. Ouais. Oui, c'était prendre vraiment... cher sur bras. Ouais, voilà. Euh, J'aurais pas attaqué. En fait, Red, ça t'empêche d'attaquer correctement. En tout cas, avec tout quoi. Ouais, bon. bon, il était pas combatif. C'est pas grave. Il était pourtant, il était prêt. Hein. Il avait des bras main deck mmh. et tout, mais c'est dire à quel point Soldat, franchement, c'est violent, vraiment. Ouais. Spécialiste, quand on la décrit et quand je la vois jouer, je me dis, mais c'est main deck ça. Ça fait. Bah, si t'affrontes que des grixis, ouais. Franchement, tu peux en mettre deux main deck. C'est pas déconnant. Hein. Moi ce que j'aime bien, ce qui est assez smart dans leur build de Azorius, c'est que t'es drop 3, les 8 drop 3 toi, les 8 drop 3 que tu as, c'est des drop 3 qui fit avec ce que veut faire ton deck mais ne s'adaptent pas au format. Et par contre dans le side, tu as 4 drop 3 pour contrôle et 4 drop 3 pour aggro que tu viens du coup euh, rajouter, tu vois. Ouais. Mais du coup, ton, ton deck main deck il n'est pas orienté. Moi j'aime bien, tu vois. Josema MT Player. Et eh ben il a un nom oh, ici. Si. Il a pas besoin d'un nom pour nous éliminer, tu penses Je pense qu'il a pas besoin d'un nom pour nous éliminer, mais je dirais qu'il a pas besoin d'un nom pour qu'on l'élimine. Voilà. On va être combatif. Moi je garde franchement. C'est OK. On... Moi, je garde. On aimerait un tour 3 quoi, mais bon. Ça va monter. Ça va monter. Très beau ce, ce paysage. J'avoue, c'est chouette. C'est quoi l'animal qui a. C'est un, un, un héron. Un héron, ouais. peut-être plus un héron. Ouais. Il pélicano. De toute façon, un pélican, c'est quoi C'est un héron qui est rose Avec une grosse gorge. C'est pas rose C'est les pelican, flamands, ça pas... Ah, les flamands roses, ouais, c'est vrai, putain. D'où le nom. Je confonds. C'est vrai. M... C'est vrai bon, qu'ils bah... ça s'appelle pas des flamands blancs. Euh, qui sont blancs d'ailleurs à la base, hein, mais qui sont roses à force de manger des crevettes. C'est vrai Ouais. Mec, c'est incroyable. Enfin, je sais pas si c'est des crevettes, mais c'est à force de manger un truc en particulier. T'as Je devrais crois... oui. être jaune à force de bouffer des pâtes. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. <laughs> ouais. Euh, ah. faut... J'attaque là, je crois. Hein. Oula, il On va fout. pas bien lui, il a une scie rose. Non, non, il bouffe juste des pâtes. <laughs> il adore les pastes. Ah Ok. Je lui tue un anti donc finalement on est content. Ouais, ça va. Et je vais faire pas ça pas fin fort, de tour. Enfin. Ouais. ouais. Ça dans vétéran euh, tour 1. Ou Et ouais, Mais ils et ont oui, tous hein. ça, hein, putain. Mais c'est fort, hein. franchement, c'est trop pété ça, putain. Ouais. Ça en fout, hein. Euh, ouais, en plus tu peux pas trop attaquer dedans, quoi. C'est un peu. Nope un peu naze quoi bah vétéran tu mets du board et t'espères qu'il est pas sa vraie semaine d'avis ouais je, je fais 2-1 plutôt non pour l'inciter à attaquer ouais c'est moins mana efficient mais bah en fait là j'ai envie de mettre ça parce que vétéran ça sert à rien donc soit ton prochain j'en ai deux je peux les poser non mais soit ok ou ton ouais, d'après j'ai rien et je peux faire ça ça me va et ouais 3-3 ça bloque hein la 3-3, ça bloque bien. Le problème, c'est qu'on a eu un tour 2 qui est l'ordre et des tours 1. Donc, euh... Ah Ah J'ai Oh Bah là, tu vas pouvoir le bourrer, le type. Alors, tu tournes pas autour de Vras, mais je crois que Mendek, on n'est pas en capacité 2, quoi. Non, bah non. Ça passe, et que le deuxième passe. S'il en a plus de 2 Mendek, le mec est vraiment prêt, quoi. Et j'y crois oh pas trop. La phase d'attaque. Euh, sur 6. ça. Pas envie que tu le tues. Il est vraiment bien ce frontalier, justement pour sauver tes bêtes mmh. lorsque tu attaques. C'est intéressant, ça te permet d'attaquer avec tes vétérans aussi. Ouais. plutôt pas mal. Bien joué. Hein eh S'il ouais. a un cut down, euh, tu sais ce que je mange. Je me gloutonne même. Je sais pas, mais quoi que tu manges, j'en connais un qui sera content. Ouais. Ah là là. Bon, ça va, c'est pas un cut down. Il l'a pas. Oh, il a. Ah non, bah, j'allais dis... dire, il a gardé des Bankbusters. Non, non, c'est une autre game, juste le joueur joue le même deck. Mais ouais, le Bankbuster, c'est pas très bien après ça contre nous, quoi. Ouais, oh, je bien taqué avec tout et faire ça. Il fait bien de la value en attendant, lui. Non Donc il en a eu 3 là, sur 17 cartes. Bien vu. Ouais, après, l'un trouve l'autre, mais. Ah, oh, bon. c'est bien vu quand même, c'est bien vu. En Soldat. vrai, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux attaquer. Non, Frontalien, il se buff pas lui-même. Hein. En vrai, je fais juste ça. Hein. Ouais, ça passe. Crois. Ouais. Et c'est pas ouf. Ouais, vétéran, c'est pas mal. Ouais. Je fais euh, main je phase tu... au cas où j'avais un coin. Tu... Hein. J'allais te dire, je crois que tu peux attaquer euh, avec ta recruteuse du coup. Ah, tu Elle je pense. son job en vrai. Ouais. Bah, je sais pas, fait, hein. là mais... on part sur du grind, genre il va juste raid et derrière on a rien qui passe ça Je crois que si tu pars sur du grind tu vas pas gagner hein. Pas certain quoi Bah là ça c'est, ça grind un peu Ouais bah, j'aimerais quand même essayer de mettre fin le plus rapidement possible à cette partie Ah ben bah, voilà ah, ça ça aide bien Oh ça ça, ça, ça aide, ça aide bien. bien ça Oula euh, Moi je jouerais plutôt Ardin et je garderais sortir par derrière et je jouerais pas le vétéran Ok comme ça, sortir par derrière, ça te préserve. Soldat, 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 dans soldat, soldat, Ok. Tu Chaque fois tu vois, que tu avec métal, au moins en fait. 5 soldats, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas qu'il trouve deux anti-bêtes en fait. Ouais, il trouvera pas. Impossible. Alors, en fait, là, tu as un anti-bête. Oh, ouais. Le discard avec des faibles Il galère excellent aussi. Il va devoir attaquer. What avec tout Bah ok. Je pense qu'il veut invoque des il a besoin de son cinquième mana. Ouais mais pourquoi il attaque avec ses 3-3 alors euh, Je ne sais pas. Ou alors Vras, il met 3 à tout. Ah ouais je, je pense qu'il a une Vras, mais du coup c'est bien, tu vas pouvoir sauver quelqu'un. Je bloque comme tout. ça ou pas Non je pense. Ah comme ça, oui, euh, comme ça, oui. Ah parce que s'il peut le tuer... Euh, non non, non peut oui, comme ça, pardon. Mais je veux dire il fallait pas bloquer les 3-3. Et il l'a trouvé. Tu peux sauver une de tes bêtes, laquelle ouais. tu veux sauver Plutôt vétéran, je pense. Moi ah je sauverai ouais, vétéran vaillant. Ouais, je pense. Parce que ça se joue du cimetière, ça. C'est ma marqueur sur mes soldats. Hmm. Ah si ouais. je mets ça, euh, je peux le beat down de fort. Hein. Ok. Vas-y vas alors. Il prend un marqueur, il va prendre un marqueur tour d'après. Il peut pas me contrer, il peut juste tuer en réponse. Ah, putain, il peut avoir un cut down en réponse. casse les couilles. Allez, joue-le là si tu l'as, José. On ouais. fait galérer. Ouais, je, là. je peux animer ça pour qu'il euh, nous tue un land aussi. <laughs> N'hésite pas, bon play. Bon, tu repars avec un peu de. Voilà, avec un peu de bidon, okay. c'est pas oh, mal. Bah, allez, hein. Hop là. Je mets hors ça de paraît. portée de fissuration, si jamais il en a. Ou de cut down. Et de cut down aussi, ouais. Ça paraît quand même pas facile, hein. Pas te mentir, euh... non. non, 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 mais on a encore deux trucs qui se jouent du cimetière. Euh... Ouais, Quoi, il a un peu de récursivité ce déclasse plutôt bien. Voilà, c'est méchant. Ça, je crois que tu peux même activer un yotien ici. Hein. Ouais, bon, il doit avoir encore une. Une palanquée une pêle, de sort. Une pelle d'anti-bête, je pense, mais... Bah, faut que, faut il faut qu'il les passe quoi. Ça va bien marcher euh, le vétéran avec ton frontalier dans tous les cas. À moins qu'il le tue. Ok, il fissure. Et du coup tu gardes ton vétéran vaillant. Ouais. Et on va le bourrer, hein. Encore gestion, c'est possible, hein, il en joue énormément. Ouais. Ouais, ouais mais bon, écoute, t'es encore dans cette game, étonnamment. Ouais, bah j'ai une bête qui joue du cimetière et une bête qui buffe mon bord du cimetière, plus un lord. Ça. Va. Il a passé combien d'anti-bêtes, le type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une jolie bête comme des anti-bêtes, ça. Hein. Il commence à plus en avoir beaucoup. Hein. Ouais. Là ce qui te land. tue c'est un blood tie servester ça te défonce ça on s'en fout Et en vrai il pourrait te mettre 2 points ouais ok euh 2-3 qui fait du board 3-2 Je ferais une 2-3 ouais, je pense 2-3 c'est mieux je crois 2-3, s'il a encore une vogue d'Espère, là par contre je vais sacrifier mon terrain. Ouais. Un peu chiant, il en a trouvé 3. Après il a eu ce qu'il fallait, il a eu ses anti-bets, sa Brasse, enfin c'est un peu le JIT qui gagne cette game quoi. Il a eu la bonne partie de son paquet. Ouais. Les 3-3 pour bloquer leur league game. Bon ouais, il a ouais. tout, tu peux tu peux partir. Passe à 1. Ouais, tu le... Tu le battras plus, le joue Excellent. Ok, ah, putain, il y avait beaucoup de résilience, j'y croyais vraiment la game, mais bon, c'est vrai qu'une ouais, personne est, c est imbattable, peu. donc... Euh... Spécialiste au in to perse sort, et puis pareil, on va enlever des yotiens. Et des frappes ciel, tu peux enlever un yotiens de plus, ouais, je pense. Ouais. Let's go. Bah, il n'avait pas besoin de nom pour gagner la une Euh, bah, effectivement, ouais. On s'est bien fait casser la bouche. C'est vrai que s'ils trouvent pas ces landes, ils trouvent des interactions quoi. Et ça nous a tellement ralenti, ces double 3-3. C'est ça. Mmh. Nice, très bien ça. C'est super. Bon je joue plutôt mana blanc hein, pour commencer. Quoique, ça change court, non, ça change rien en fait. Je suis bêtise. J'ai réfléchi à un truc qui. Est... On s'en fout. Je me suis demandé si on s'en foutait et j'ai eu la réponse. Ouais c'est ça, je me suis posé la question et ouais, on s'en fout littéralement. Champion un dingue. Oh le dingue. Allez Talia, tu vas voir, Tiens, ça va te sais. faire, ça va te faire tout, tout du bien par là où ça passe. Ouais. Tout ouais. tout 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 tout. Exact. Eh ouais, mais on s'en fout parce que t'as un sortir par derrière. Donc du coup on va juste rester up ici je pense. Ouais, oh quoi tu peux même jouer un frontalier et du coup si jamais mmh. il te le tue pas tu fais renfort et si jamais il veut te le tuer Ouais t'es obligé par contre ah oui. Je pense qu'il le faut Ça Mais frontalier avec... par contre après hein. euh, Oui mais je peux jouer après ouais, ouais. Là c'est trop bien parce que si jamais il décide de gérer ta thalia, il l'a dans l'os et s'il la gère pas tu fais un renfort Plutôt dans un bon scénario okay, Et là. lui il peut surtout pas fable en plus Donc il va vouloir vraiment moissonner ton Thalia S'il a une fable est-ce qu'il a une fable et des enfants bleus Mec, c'était sûr. Et si en réponse il a anti-bête, toi t'as spécialiste, donc dans tous les cas tu le défonces. Mmh, ouais. Par contre, va passer hors phase donc il pourra fable. Il a ouais. anti-bête. Ouais, mais ça nous va très bien en fait. C'est le meilleur scénario ça, lanti Ça fait double anti-bête qui passe pour, euh, pour rien. Hop Salut Hop. Et un point. Et je buff Talia, je lui montre. Tu lui dis, elle est importante pour nous, Talia. C'est notre mère à tous. Je sais que toi, tu n'aimes pas, mais pour moi, c'est important. Euh, ouais, c'est chiant, comme d'hab. Un petit. Lorde, une 3-3 pour 3 et le deck soldat, il est plié en deux, quoi. Terrible. Ah, quand t'as des lords, non, mais... mais. Il faut les avoir. À l'ordre, là, ça ne change rien. Hein. T'as toujours qu'avec une 3-2. Ce qu'on va faire, de hein, toute façon, mais. C'est vrai. Bon, après, elle attaque bien cette 3-2, quand même. Ça va. Ça va. Ah, ouais, tiens. Okay. C'est bloqué. Bah, écoute, petit dénique. Hein. Et... Petit dénique, yep. fin de tour en fort. Et, euh... et puis, on croise les doigts. quoi. utiliser son petit token sang. Toucher le cimetière, le... Coco. T'en meurs d'envie, là. Ah, il faut fois que tu espères, ça dégage. Et ouais, c'est 6 si ça est un peu trop. J'ai fait passer automatiquement le tour et ça m'a demandé de passer toutes les étapes à la main. Nickel. <laughs> Nickel le jeu. Le Je la mets un moulut. bouton, il sert à rien. Oh, la fable, elle est nulle. Ok. Allez, fin de tour, renfort, tu deck un Lord et là, on lui met la Maxi Plus. Les Maxi Notes. Allez, maintenant. Ça est un. C'est presque un. un. C'est presque Une presqu'île. C'est une presqu'île de géant, ouais. Euh, J'attaque avec ça aussi, non Plutôt que de jouer ton... Ah oui, non, mais t'as déjà un Dénick, putain. à chaque fois je me fais niquer, il est légendaire, lui. Bah ouais, hein. Salaud de dénic. allez Allez. Bah, tu... Franchement, on voit tout. On hein. s'en fout d'en perdre un, non Oui, c'est vrai, ouais. Je fais euh, le renfort résolu. J'aurais pu buffer le land aussi. Ah, si tu voulais pas quitter le trade mmh. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. C'était peut-être mieux. C'est pas grave. Ouais, je me suis dit qu'on s'en foutait un peu des landes, mais. Allez ouais, pas de brass. Parce que. Ouais, non, il y avait déjà des bêtes. Ouais, donc non, en fait, il fallait protéger plutôt le land. C'était mal joué. Serpent, il a gardé enfin. le, le gros serpent, je pensais. Nul à chier contre nous. Ouais. En tout cas, il a Draw 2 Discard 2, ce qui sous-entend qu'il va chercher une carte spécifique et qu'il l'a peut-être pas. Ce serait une bonne nouvelle. Parce qu'en vrai, sans Vras, là, je suis pas sûr qu'il puisse reprendre le board. 3 et Fissure. Ça, jusque-là, tout va bien. Ok. Plutôt de bonnes nouvelles. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, C'est vrai qu'avec le long, on aurait été mieux ici. Ouais, vas-y. De hein, toute façon, là, il faut aller tout droit. On hein. n'a pas, le... pas le choix. On va ouais, aller là-dessus pour gagner des PEV. Ah j'aurais pas mis les oeufs dans le même panier moi Ah ouais Ouais Donc, De toute façon c'est Denik je qui vois. veut tuer pour récupérer son cimetière Ouais voilà, Tu vois mais... pas bah Ouais c'est ça Ouais mais du mais coup on, on aurait mis un point de pas. plus ah ouais, ouais, ouais. ouais voilà c'est ça Tu mettais juste un point de plus Exact C'est pas euh, très très grave Ah ouais, je vois un peu mal Je vous avoue que le bruit qu'a fait mon ventre A peut-être une, une indication de ma concentration aussi je... je crois pas que ça soit très très grave cela dit On peut jouer Denik au moins Oh putain ça ça pue ça je Oula. connais Le Takenuma Rituel il sent vraiment la Ah ouais ah il pue la merde. Il sent vraiment la, la merde ouais. Ouais c'est ça. J'avais pas le nom en tête là, le truc ouais, marron le... qui sort du cul là. Le cax. Exterminé. Le processus final de l'appel de ton ventre, tu vois. L'après. Finalement. <laughs> laprès cri Il reprend le taille de temps mais ça va pas. J'ai l'impression hein. qu'il est un peu mort. Hein. On prend trois en fly et un point au sol. Dans 4 en fly ah, ouais. même. Okay. ok. Alors, je rentre ça direct pour casser... Euh... Ah, ouais, c'est pas mal en vrai, ça casse ses fables. Ça casse que les fables, cela dit. Donc, euh, bon. Non, viens, on reste comme ça, on est bien, non Ouais, que bien. les fables. ça. ça oh, en il arrière. a joué 15 anti-bêtes et on a gagné. C'est bien. Hein c'est vrai. Il a fait un Tibet. On a dit non, il a fait un Tibet. On a dit d'accord. Et après, on a réanimé la bête. Il a fait, oh non, tous mes anti-bêtes. Pour que dalle. Merde. Bon il a pas eu sa vrasse hein, pour le coup mais. mais bah, bon. Ça va, il a tout le reste. On va pas le plaindre. C'est vrai. Il a Dromil. Oh le Dromil, On dirait le nom d'un droïde. Ouais. C'est un droïde qui pioche. C'est un droïde bleu. C'est un bon un bon droïde du coup. Ah Magic c'est un bon droïde. ça. Oh, le... oh <laughs> j'appuie fort avec le clic gauche là. Oh elle est juste parfaite. Oh là 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 là. Oh la tête de pin oh là. là, 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 là. Bah, vas-y, on va lui, lui révéler un, un recruteur. Tiens, oh, tu sais quoi, moi j'aurais été outre outrecuidant, j'aurais révélé Talia. quest ah, ce qui arrive. Fais t'inquiète. Je, je peux t'en révéler deux Tiens, je te mets les deux là. Comme ça, c'était un petit bet ça sert rien quoi. Vas-y, on espère qu'ils prennent le trade. Hein. tu Talia. Je pense qu'il faut déniquer avant Talia pour pas te prendre Corpse praiser Bah, ça dépend. Est-ce qu'il aura Fable ou Corpse quel est le plus problématique Fable ou Corse Fable, c'est chiant, il va chercher d'autres trucs. Ah, franchement, Corse, c'est l'enfer. Fable, au moins, t'attaques. Mmh, ouais, je mets ça du coup. Je en fait, là, que... si je fais ça, il fait ah, Corse, je... il a quand même son 3-3, euh, c'est chiant quoi. Ouais, ah, t'as raison, mais Talia. C'est vrai qu'il a quand même son 3-3, le, le, le machin. En fait, Talia, ça lui empêche de jouer des cartes. Dénic, ça réduit l'efficacité. Hop, là, il avait Fable. Bien joué. Euh, bien joué, bien joué, attaque. du coup là, on est bien. On refuse, on attaque. Ouais, et puis tu joues dénic recruteur, hein, je pense. Tranquille. Ouais. là j'ai su un 3. Ouais. Je crois qu'on va rejouer Talia du coup. la de grandes chances. C'est d'accord, oh je la renvoie en main, pour 3. Hop Hop Salut Oh je lui dis bien joué, oh je rigole. Oh je rigole, je rigole. Parce pas sur mon compte, il est encore immaculé. Je fais pas ça, même sur le mien je fais pas ça. Il y a eu aucun taunt sur ce compte depuis 6 euh, depuis ans. 5 ans, je sais plus combien de temps ça fait que... Que t'as pas taunté <laughs> Putain, il avait l'évaluateur aussi. Hein. Ah, il a pioché, je pense, sinon il aurait joué. Oui, je pense aussi. Hein. Eh ben Il faudrait que... Qu je qu il sais pas ce qu'il a hein. pris, mais putain, ça doit être une bonne carte. Hein. Ouais, bah une vraie, je pense. Je crois mmh. que tu peux déniquer dé pas, je pense. Enfin déniquer Ottawa Pass et faire le bord le plus large possible. Ouais. Sinon je peux juste faire de la value. Hein. Ouais. Je me rends pas compte si ce plan est viable ou pas. Vas-y, je commence par faire des nicks, on verra après. Ouais. Le, le plan, je fais de la value euh, contre un opo qui a, qui a jeté une vague d'espère. J'y crois pas. Pas des masses, mais. Après, s'il lui manque des landes, en vrai, euh, il prend le land et il prend jamais les deux spells, hein, c'est normal. Oui, s'il lui manque le cinquième, ouais. C'est vrai. Je fais il ça. Il attaque pas, donc. Ouais, s'il a pas attaqué, c'est qu'il a pas Vras, et là, il avait déjà une bonne Vras, donc moi, j'irai all-in, là. Mm. All-in de boxe. Tout dans la boîte. Fin de tour, hein Oh, la 3-3, c'est un enfer, con. Mais franchement, euh, je point. me dis, mais le deck il... Il gagne des matchs alors que sur une 3-3, on concède, quoi. Hop, comment on fait ça. Euh, bah, il doit gagner tous les autres matchs, du coup. Les matchs où il n'y a pas de 3-3. C'est chaud. En vrai, là, je regarde sur l'Open Pizza Box. Euh, dans le top 8, il y a Azorius Soldier, Raffine, Mono Black Agro, Mar du Contrôle, Azorius, Soldier, Mono Black Agro, Azorius Soldier, Red Deck Queen. Il n'y avait pas de Grixis Contrôle. Putain. Parce Pizza Box, ils savent pas que ça existe. Oh, le sale type, quoi. Oh, bonne carte. Franchement, tu, tu reconstruis bien, je trouve. Ouais. Qu'est-ce qu'on va anime Dénic Talia Il a 6 mana, donc Talia, ça lui fait plus trop chier, je pense. Ouais, mais Dénic non plus, en vrai. Je mettrais plutôt Talia quand même. Ok. Doute. Et au okay. petit recruteur. Ça va, t'as repeuplé. Yes. Si je trouve un land, je peux faire vétéran euh, Arbin. Arbin <laughs> Ok, Sheldred, c'est pas gentil, mais on s'en fout un peu. Je trouve un land. Nice. Yes. Hop. Et Arbin, il va faire voler toute cette petite. Euh... Non, il y a un spécialiste ah, qui t'en empêche. Il Après, tu vas quand même buffer le spécialiste pour attaquer sur, sur deux tours. Ouais. Je pense que c'est bien. Ah merde, et vu qu'il y a le marqueur, j'aurais dû jouer Arba après. Parce que comme j'attaquais pas, j'ai tout joué, mais. Bon, ouais. voilà. Change rien de toute façon. Euh. Pas l'attaque. Bon, bah, vous savez comment arrêter soldat hein. 4 corps 4 Corpse Surpriser. Let's go. Voilà, et que des Landes après. Bon, en vrai, on rigole, mais il est pas si bien le type, hein. Ouais. Je crois que ça vaut le coup de dénique ici. Déjà, tu mets 3 points. Et il est au top deck quand même, hein. Ouais, ouais, il est au top deck, c'est pas. Top deck, il a 6 points flight tous les tours. Euh, enfin, du coup, 4, ah ouais, puisqu'il gagne 2 PV. C'est pas déconné ce qui se passe, hein. Tu reviens bien d'après Vras, t'as pas mal de résilience dans le deck, c'est cool, hein. Ça, à, le... à, du... à chaque fois que je trouve jambe. Land, je vais activer ça du coup et, et jouer une bête. Oh, il a tué le truc que je... Oh, il oh, a et vraiment je tué le mauvais, quoi. Excellent. Exceptionnel. Oh, c'est vraiment l'erreur de la part de José. Hein. Oh Si doux. Ah, bon. très, très Piocher dur. contre lui c'est un peu dur, mais. Alors attention, moi j'aimerais bien quand même tourner un petit peu autour de Vras là, vu que t'es en possibilité de le faire. Donc, je sais ah, pas ouais. si je mettrais tout. Non, je mettrais pas tout, je ferais euh, drop 3. Offici officier, draw. Et je mettrais Et, pas. Arvin. Draw, enfin double draw même, ouais. Ouais, j'aime bien. Le mec, il est juste en. Après, train de si je double draw, je prends 6, je passe à 8. Pas sûr que je le tue quoi. Euh, non, non, je, doublerai je double draw pas, je pense. Je pioche euh, classico euh, mon... mon truc, quoi. Avec mon ça. Ouais. Ok. Je crois que ça suffit pour continuer à mettre la pression. T'as pas besoin de piocher plus. Ouais. Petit vétéran. Et là, maintenant, on se pose la question de est-ce qu'on all-in pour tuer en deux tours ou pas? Ouais, faut all-in, parce que ça, ça te refait des, okay. des boards. Bah, vas-y, du coup, hein, mets sur tes, sur tes flyers, mets-lui euh, 6 points. Ça. Et... Tu peux même décider d'attaquer un peu avec tout, ou pas non, non, pas besoin. Chaud. Et du coup, bah, Robin, hein, si tu veux all-in, pour être sûr d'avoir l'état le tour ouais. après. Sachant qu'il a quand même draw 2, discard 2 pour trouver une fin, une... Une fin de la fraternité de plus. Hein. Ouais, et puis pour gagner 4 paires aussi. De landes. Ouais, 5-4 peps, ça me pose pas de problème, parce que je pense qu'on lui met les 20. Euh, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et plus 1 à tout le board. Euh, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on met 20, oui, tout pile là. Je t'annonce qu'il est mort, du coup. Tu peux piocher une carte pour être sûr de ça, d'ailleurs. Histoire de, de rajouter. Bah là, tu peux rien faire, hein, il y a perdu Et puis tu as aussi, euh, comment ça s'appelle, tu as notre terrain aussi qui est le beau, hein. 4, 5, 6. 7-8 avec la draw, je vais bloquer avec ça. Pourquoi Pour gagner peur 3 PV. Est... Non, de toute façon, on n'a pas perdu, mais au cas où. Non ouais. En fait, ça, ça me libère un soldat qui attaque. Ok, ça me va. Voilà. Et en ça, fait, tu compliqué. mettais plus que plus un plus un à carbin t'as aussi ton terrain Ouais, ouais, il y a le terrain qui buffrait. Ouais. En fait, tu, tu lui mettais 26, quoi. Oh putain, on a 3. gagné les deux Grixis. Bah, c'est bon, je comprends. Bah, pourquoi cool. Azerus, bien. Ça. Après, c'est vrai qu'il a trouvé pas mal de landes. Et nous, à chaque fois, on bloque à 4-5 landes, tu vois. Et on a que des actifs. Donc, ouais, euh, j'ai trouvé ça puissant que, qu'importe que ton oppo, il stole ton board ou alors qu'il le vrasse mm. t'as une, ré, une, une résilience qui est, qui est vraiment impressionnante, quoi. Une réjouissance. Ouais. Ah, c'est réjouissant, ouais. Et ouais, tu sais vrai. pourquoi c'est réjouissant Parce que tu vas avoir le droit d'aller manger. Oh, ça, je suis très réjoui de cette nouvelle ça, ça c'est beau non, Franchement le deck je m'attendais à un truc un peu all-in ou quoi Bon c'est quand même un peu all-in Tu prends deux Vras, t'es un peu poubelle Mais euh, la ouais. première Vras c'est pas grave quoi. Même quand elle tue plein de trucs T'as des non. actifs, ça ça refait du board Et j'adore vraiment cette carte euh, Ça pareil ça peut refaire du board mais justement quand il y a Vras Arbin ou Denik euh, en fantôme Ça va vite tuer Enfin en esprit ça va vite tuer l'adversaire en fly aussi Très agréable moi, à jouer. Une, des, une de ses capacités premières aussi, c'est que c'est un mmh. deck qui ignore très bien Scholred. On l'a vu, on a gagné deux games où Scholred ouais. était sur table et on s'en fout quoi. J'adore ça. ça, moi. C'est, en fait, tu mets... quand tu peux plus passer par le board, tu construis ton board et d'un coup, tu vas mettre les points. C'est ça. Donc euh, ouais, vraiment euh, cool. très 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 bon deck qui fait de la value, t'as recruteur pour avancer, euh, ouais, assez impressionnant. Ouais. Fin crafté de cette vidéo. Crafter en masse. Pouce bleu commentaire, partage abonnement. Crafter pas trop en masse non plus. Il y a une extension qui arrive hein, dans genre moins d'un mois. Donc attention. Euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.